Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Stevecraft. On se retrouve pour ce nouveau let's play sur Zelda Twilight Princess, notre deuxième épisode. Et donc souvenez-vous, notre dernier épisode, on a acheté de lance-pierre, on a eu la canne à pêche, on a eu un truc de lait là. Ouais, ça regagne des cœurs, c'est de la merde. Ah d'ailleurs, je peux peut-être l'utiliser. J'ai plus que 2 cœurs, voilà, à cause des guêpes, des abeilles. Donc oui, on a fait tomber le nid d'abeilles. J'aurais pensé que ce serait avec avec l'aigle, mais bon. Ah d'ailleurs, je viens de me rappeler. Donc oui, vous voyez, je me suis arrêté exactement où c'est qu'on s'est laissé, parce que en fait, c'est-à-dire que je fais 2 vidéos de suite, voilà. Ok, cool. Ok, donc des larves, ça va nous permettre de mettre au bout de la canne à pêche. Donc voilà. Et oui, tout à l'heure, pour vous, c'est dans l'épisode suivant, mais moi, c'est tout à l'heure. J'allais rentrer dans la maison, mais je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi, parce que je suis con, voilà. Donc voilà. Donc là, on va rentrer dans cette maison. C'est la maison, donc, de elle, mais... C'est un mec ou une meuf? Donc oui, c'est... La 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 la. Oh, bouclier. Ah oui, en fait, son mari... c'est celui qui m'a engueulé parce que je pétais les pastèques. Oh, qu'il est mignon! Oh, il est trop mignon! Oh! Bon, allez, je te lâche. Oh! Oh, putain! Il est con, ce chien! Il a traversé la table! Je l'ai lâché et... Ah, attends. Il pousse les pastèques. Je pense qu'il peut les faire tomber. Bon, peu importe, on s'en fout. Oui, donc... J'allais dire... Ah, mais merde, c'est des citrouilles, c'est pas des pastèques. Qu'est-ce que je raconte? Je disais des pastèques, c'est des citrouilles. Bon, on s'en fout. Alors, oui, ce que je disais, là, le bouclier... Le mec qui m'avait engueulé parce que je pétais ses citrouilles, en fait, il devrait être... au lieu d'être sur son rocher, il devrait travailler sur son bouclier pour l'améliorer, machin. Sauf que lui, vu que c'est un gros flemmard, il reste à glander là-haut. Voilà, c'est tout. Alors, donc, on va amener le lance-pierre aux petites. Aux petites et aux petits, là. Les 4 petits gus. Ah bah non. Bon. Ouais, bon, allez. Donc là, je vais leur montrer leur père, elles vont faire ah, Link. Je pense. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Non. Oh, Link, tu tombes bien. Je viens juste de déposer quelque chose chez toi. Ah, cool. On s'en fout. Attends, je rêve, oui. Il rentre chez les gens comme ça, là. Bon, c'est pas cool. Alors, donc toi, là. Vous. Link, mais tu as un lance-pierre? Bah oui, que j'en ai un. Voilà, alors donc là je vais faire un essai pour leur montrer comment que c'est. Hey, mais il y a 2 épouvantails là. Tout à l'heure il y en avait qu'un. Ah, il est trop moche Balder. Donc Balder, c'est celle la toute petite là. Bah après, je sais pas si c'est une meuf ou un gars, mais moi je dirais que c'est une fille. Après, je sais pas. Ouais, en voyant ses cheveux. Peu importe. Alors. Oh putain, qu'est-ce que je fais? Ouah, tu l'as eu. Non, ouais, bon, après elle m'explique comment je tire, mais ça je le sais. Oh, mais c'est simple. C'est tellement simple. J'avais vraiment oublié comment on jouait, je savais même plus ça. Ah, c'est vraiment trop chaud avec le remote. Ah! Voilà. Et voilà. J'ai pété tout, non? Ah, si, il en reste un. Une. Oui, on dit une cible. Moi, je dis un cible. Mais putain! Voilà. Ah! Soit je suis con, soit je suis con. Voilà. Ouah, super, Link! Si les cibles sont assez proches, c'est facile. Il te suffit d'appuyer sur Z pour les... Oui, bah ça, je le sais, je viens de l'apprendre à l'instant. Ok, oui, c'est ce qu'on a fait sur l'épouvantail, là, on l'a dégommé. Je m'en fous. Alors,
Donc là... Oh putain, 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 c'est quoi ça? Oh la vache. Elle est folle cette araignée. Des rubis? Oui, un cœur, c'est bien. Même si j'en avais pas perdu. Tant pis, tant pis. Donc oui, alors, on va voir ce qu'il m'a déposé. Je crois me souvenir, oui, je crois pas, je me souviens. C'est bon, c'est mi-bien, voilà. C'est utile dans la quête, voilà. C'est pas Excalibur, mais c'est une épée de bois, voilà. Donc voilà, ah merde, là, je peux pas m'en servir chez moi. Mais, je vais aussi faire une démonstration. J'ai fait une démonstration au lance-pierre tout à l'heure, et là, je vais faire une démonstration à l'épée. C'est marrant. Ah, je le dégomme. Alors, vous, là. Oh, mais Link, c'est une épée en bois. Oui, waouh, tu prends un bâton, ça fait pareil. Alors, bah oui, je veux bien vous faire une démonstration. L'autre avec son bâton, il me fait marrer. Ouais, une attaque verticale. C'est cool, hein. On peut aussi simplement remuer. Ouais, bah ok. Bah ça, je sais. Ah, Link, dis, montre-moi voir le truc, là. Tu sais, quand tu vises avec Z et que tu agites tout en allant vers le haut. Ah oh, oui, ça. L'attaque visée, que ça s'appelle. Ah oh, merde, c'est pas ça, merde. Ah merde, 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 je me suis grave gouré. Merde, mais... Oh, ah, je m'enfuis. Alors, voilà. Pas croyable, Link. Elle aussi, je crois qu'elle m'aime, en fait. Ah, bah, pendant que tu y es, j'aimerais bien voir l'autre attaque aussi. Tu sais, l'attaque circulaire, enfin, celle où tu tournes sur toi-même. Ah oui, je sais plus comment on l'a fait. Mais non, c'est pas ça. Oh, je sais plus. What? Attends, je rêve? Merde. J'ai rêvé ou? Elles sont fortes en esquive. Bon, bref, oui, j'ai... Putain, mais je sais vraiment plus comment on le fait. Ah, c'est bon, tu viens de me souvenir. Voilà, enfin. Oh, oui, merci, Link. Je m'excuse de te faire passer l'une de tes rares journées de congé avec ces gamins. Bah, t'en es une aussi, gamine. Eh, attends. Nanana. Ah oui, le truc où c'est que je saute. Alors, ah bah oui, ça c'est tout con. C'est celle que je préférais. Enfin, après, justement, là je parlais d'un truc dans les quêtes secondaires, les attaques, dans l'épisode dernier. Et du coup, en faisant ça, tu peux mettre ton ennemi à terre et ça s'appelle le coup de grâce et lui planter l'épée dans le ventre, en fait, pendant qu'il est à terre. Oh, le singe, c'est celui qui avait volé le couffin. Reviens, King. Je la trouve trop marrante, cette musique. Attendez-moi. Moi, j'ai Epona, ça va plus vite. Oh, Colin, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il y a, Colin? Les autres, ouais, bon, bah c'est bon, je sais où c'est qu'ils ont tourné. Attaque! Je sais pas pourquoi je dis à l'attaque, mais... Ah oui, et donc... On avait vu hier le père de Colin, enfin hier, pourquoi je dis hier? En plus moi j'ai fait ma vidéo tout à l'heure. Bah dans l'épisode dernier, on a vu le père de Colin fermer cette porte là. Bah dans le jeu oui c'était hier, mais on s'en fout. Et du coup, oui il avait fermé la porte là, et du coup là grâce au singe, bah c'est ouvert. Et du coup, là on peut rentrer dans la forêt de Firon. Ok, ah oui, faut sauter la barrière. Youhou! 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 Oh, c'était... Alors... Eh, hey, mais attends, il en manque un. Il manque un gamin. Pourquoi tu vas pas, Epona? T'es conne. Putain, t'as peur de tout. C'est qu'une grotte, pire. Ah, va te faire! Va te faire! Va te faire!
Notre tout premier méchant, les amis. Ah oui, c'est pour le lance-pierre, ça. Cette grotte m'inspire pas confiance. Je vais plutôt tourner là. On a vu un passage. Bah voilà, c'est plus beau. Ça se trouve, il est passé par là, le petit. Ah non, c'est fermé. La tronche. Tiens, un gars de toile. Salut. Ouais, la grotte, ouais. Et donc. Oh, une lanterne. Ah oui, c'est sombre à l'intérieur. Ok, cool. Merci beaucoup, petit Gugus. Mais, j'ai pas d'huile. Quoi? Ah merde, faut que j'use ça. Là, bah, je vais les boire, enfin les bouffer. Ah, la tronche de Link quand il a bu ça. Enfin, quand il a mangé ça. Mais non, mais j'ai pas usé mon flacon pour rien. Ah merde! Ah merde! Ah merde, mais je suis con moi! En fait, j'avais pas à user mon flacon. Bon, puis on s'en fout, c'était que des larves. Mais... Oui, ok. Elle a déjà de l'huile, en fait, la lanterne. Mais vu que plus tard, il nous faudra de l'huile. Ouais, donc j'ai foutu le feu à sa soupe, là, de merde. Alors, t'as de l'huile? Ok. Ah merde, j'ai pas assez de rubis. Bon, bah, on va faire avec. D'ailleurs, je vais la ranger, vu que j'ai juste mon huile. Et on va aller dans cette grotte. Mais si, il y était pas. J'ai pas de preuve qu'il y est. Oui, bah si, il me donne la lanterne, donc c'est forcément que qu'il y est. Attends, c'est pas son bâton? Ah bah si. Vous trouvez une branche taillée. Ouais, bah c'est son bâton. Ah. Ça veut dire qu'il s'est fait kidnapper par le singe. Il m'inspirait pas confiance. Ah, mais si c'est juste pour voir, je m'en fous, je vois très bien comme ça. Ah oui, mais vous voyez peut-être pas bien. Oui, bon, pour la qualité d'image, c'est peut-être mieux. Voilà. Pendant qu'il y a de la lumière, je... Ouais, bon, ça dure pas longtemps. Alors... Oh, putain, mais casse-toi là. Alors... Paul Darnier. Ah, c'est bon, je sais. C'est logique, hein. C'est encore plus logique. Alors. Ah, un rat. Casse-toi là. Ok, on s'en fout. On va juste suivre le singe. Ah, je passe de quel côté? Où que c'est qu'elle étoile? Allez. Hop. Vite. Ah, cool. De la lumière. Voilà, j'ai plus besoin de la lanterne. Oh. Oh, c'est marrant ici. J'aime bien. Alors. Putain! Ils sont nuls, elles. Putain, la vache, elles servent à rien. Oh, c'est quoi ce petit troll? Troll de merde! On dirait une petite vieille. Tiens, casse-toi. Voilà. Trop moche. Alors. Mais ouais, mais où c'est qu'ils sont? Ah, c'est bon. Je sais, sur le plan, il y a un point rouge. Je pense que c'est là qu'il faut que j'aille. Oh, je m'en fous, les petites mémés là. Alors, oh, trop bizarre les chauves-souris. Putain, mais il y a des ennemis partout aussi. Oh. Ah, mais j'imagine pas dans le temple sylvestre. Donc, c'est le nom du prochain temple qui nous attend. Le temple sylvestre. Et c'est le premier temple. On dirait qu'elle est plus grosse que les autres, elle. Enfin. Je sais même pas si c'est une fille ou un gars, peu importe. Ah mais merde, c'est qu'un petit coffre, ça se trouve il y a des rubis dedans. Bon allez, je vais l'ouvrir. Ah, une clé. Oh bah c'est cool, je sais pas à quoi ça peut me servir, mais c'est cool. Je pense que c'est un fragment de cœur. Oui, c'est sûrement un fragment de cœur. Ouais, les premiers fragments de cœur sont vraiment simples. Et donc voilà, oui, un fragment de cœur. Il en manque plus que 4 pour finir. C'est 4 ou 5? Donc oui, on les voit là. Donc fragment de cœur, il en faut 5, il faut en réunir 5 pour avoir un cœur entier. Donc là, il nous en manque plus que 4 pour un cœur entier. C'est assez vite fait. Oh, casse-toi toi.
Alors, donc bah, là, je vais aller à l'autre point rouge. Hein. Moi, là, pour l'instant, je mets du plan. Je sais vraiment plus du tout l'aventure. Quoi. Mais j'avais une clé, elle me sert à quoi pour l'instant? On fait une porte. Attends, c'est quoi ce panneau? Ah bah attends, ah bah c'est ça qui sert la clé. Ah bah c'est cool. Oh petit troll de merde là. Ah putain, moi j'ai plus l'habitude d'avoir cette épée. J'ai plutôt l'habitude d'Excalibur maintenant, donc le temple sylvestre. Donc oui, bon, ouais, vraiment longtemps après dans l'aventure, on aura Excalibur. Et oui, bah comme tous les autres Zelda. Enfin tous, non. Oui, dans le jeu, il l'appelle épée de légende, tout le monde sait que c'est Excalibur. Même dans le jeu, elle s'appelle Excalibur, mais il l'appelle l'épée de légende, je sais pas. C'est quoi ça? Hein? C'est le marchand, lui? Ah! Mais, il m'attaque? Ah! Oh, bah sympa. Alors. Allez, on va vite aller là. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah bah oui, c'est là-dedans le temple sylvestre. Ah bah, ils ont enfermé le singe et la petite. Enfin, la petite, pourquoi je dis la petite? C'est un gars. Je sais pas, sa tête, elle me fait penser à une meuf. Voilà. Oh là là, fermez vos gueules. Le singe derrière, trop con. Donc voilà, donc là on rentre au village. Heureusement que tu es arrivé, Link. Encore un peu et ils allaient nous manger avec ce singe sûr. Il est sympa en fait. Il a voulu m'aider et il s'est fait prendre aussi. Dis Link. Tu ne vas pas le dire à mon père, hein? Non, t'en fais pas. Je sais même pas c'est qui ton père. Link. Ah, c'est Iria, je pense. Ah non, c'est le père de Colin. Quand Colin m'a dit que Fenrir était parti. C'est qui Fenrir? Était parti dans la forêt et qu'il n'était pas encore revenu. Ah bah, Fenrir, c'est le nom du petit, là. Ah ok, cool. Bon oui, ok, s'inquiéter, machin, cool, je m'en fous. Ah oui, c'est vrai. Là du coup, justement, lui, le flemmard, il a pas envie d'aller à Hyrule. Du coup, je devrais lui amener, justement, le cadeau pour la famille royale d'Hyrule. Mais je sais plus du tout c'est quoi le cadeau. Oui, donc, pour Zelda, je dois l'amener à Zelda. Non, ne me dis pas que je dois encore ranger les chèvres. Vous vous souvenez la dernière fois? Putain. Non, je dois ranger les chèvres, c'est ça? Putain. Ah bah non, pas besoin. Ah non. Je sais. Il faut que j'appelle Epona pour ranger les chèvres. Ah mais non, elle est derrière. Oh, j'avais pas à l'appeler. Ça me saoule de ranger les chèvres. Je suis nulle. Avant j'étais plus fort, mais j'arrive plus là. Allez, commence, oui. Je peux pas me sauver avant. Ah, mais elles sont pleines! Link, tu veux recommencer? De quoi? Non? De quoi? De quoi? Recommencer quoi? Il est con, ce mec. Ah oui, mais du coup, ça va être plus simple, vu qu'il y en a plein. Donc oui, là, le temps qu'on voit, là, si je fais... moins de 2 minutes, je gagne un fragment de cœur. Ce serait pas mal. Mais je pense pas y arriver. La dernière fois, ouais. Je suis vraiment nul à ça. Ranger les chèvres. Ouais. Mais plus tard dans l'aventure, ce sera tellement drôle en fait de ranger les chèvres. En fait, on pourra les prendre par les cornes et les balancer en fait dès qu'elles t'attaquent. Tu les prends par les cornes et tu les balances. Mais ça, c'est plus tard. Quand on aura le bon objet pour. Je ne dis pas c'est quoi. Bon, allez.
Mais non, 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 non. Sérieux. Putain, c'est pas cool. Putain, mais moi qui suis vraiment nul en plus à ça, là. Oh là là. Le pire, c'est que je peux pas me barrer. J'aurais dû la faire. Non, mais non, non, vous énervez pas. Mais non. Je vais en ranger un bon tas, là. Putain, mais son con aussi, là. Je perds, je m'en prends aux chèvres. Mais non, 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 non. Mais non, mais je t'ai rien fait de mal. Oh, je t'ai crié dessus, waouh. Ah, non, non, oh, oh, le bol. Allez, maintenant rentre. Oh, oh la vache. Putain, elle va s'énerver, elle, je suis sûr. Bah oui, bah bien sûr. Ça me saoule trop quand j'ai les chèvres. Mais non, mais je suis nulle. En fait, c'est peut-être parce que je crie que ça les énerve. Si je crie pas, peut-être que... Ouais, mais si je crie pas, elles avancent pas. Et bah voilà. Prenez exemple sur votre amie qui n'est pas rentrée. Ok, prenez pas exemple sur elle. Putain, mais ça me saoule. Pourquoi elle est pas rentrée? Je suis loin de faire le record. Comment je faisais avant, j'y arrivais super bien. C'est sûrement parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Très longtemps. Énormément longtemps. Bon, peut-être pas tant que ça, mais... ouais. 2 mois. Ah bah, elle rentre toute seule. Ah bah, c'est cool. Non. Ouais, 2 mois. 2 mois et demi que j'ai pas joué. Mais... Et encore, j'avais déjà arrêté de jouer avant, mais... Parce qu'en fait, j'avais plus le jeu. Et je l'ai vu. Mais... du coup, voilà. Du coup, j'ai pas joué depuis longtemps. Non, 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 t'énerve pas, toi, l'autre. Non, non, non. Elle va m'agresser, l'autre. Bah oui, bah bien sûr. Ça me saoule. Putain, mais à chaque fois... Mais... C'est vraiment chiant, mais là il y a un tas de chair. Je sais pas comment faut faire en fait. Et puis je m'y prends peut-être mal. Vous énervez pas, vous énervez pas. C'est bon, je suis gentil. Yes! Plus que 5. Oui, bon, plus que 5, encore 5, mais on s'en fout. Putain. Je fais pratiquement ma vidéo, c'est ranger des chèvres. Wow! Sinon, vous chez vous, vous pouvez carrément passer ce moment de merde là. Mais bon, voilà quoi. Quand on regarde une vidéo, c'est pas pour passer tout le long, mais là vraiment, ça doit être chiant pour vous de regarder une vidéo où c'est que je range les chèvres. Wouh! Wouhou, Farming Simulator! Bon, je sais même pas s'il faut ranger des chèvres. En fait, j'y connais rien. Moi, j'y connais à Zelda, c'est tout. Et pas un autre jeu. Alors. Mais non, c'est pas cool ça. C'est pas cool. En plus, Iria, elle va s'énerver. Oh, t'as fait mal à Epona. Ah, c'est dommage. Oui, vu qu'en fait, elle s'énerve. Mais non! Vu que Epona reçoit des coups, vu que les chèvres elles me balancent, mais du coup elle cogne un peu Epona. Du coup. Yes. Bon, plus que 2. Putain, j'ai cru que c'était une chèvre, le gars. Ok. Oh, ce serait trop déranger les deux. Bon, bah non. Tant pis. On va essayer elle. T'énerve pas. T'énerve pas, tout va aller bien. Tout va bien aller. Ok, plus qu'une. Alors, putain, non mais quand je pense, le record c'est 2 minutes, enfin, faut faire moins de 2 minutes pour le fragment de cœur, mais moi j'y arriverai jamais. Ouais, c'est, du coup, les quêtes secondaires, ça va être dur. Ok, je vais rapprocher. Putain, elle est où? Elle est où? Ah là, là, oh bah c'est cool. Hop, t'avances un petit peu, voilà, tu peux le faire. Mais non, mais t'es conne surtout. Alors, mais non, mais non. Mais pourquoi?
Pourquoi tant de haine? Non! Ah! Pourquoi encore plus de haine? Putain. Ça fait 6 minutes que je les range. Putain. 6 minutes pour ranger 20 chèvres. Et encore, elle, je l'ai pas fini. Vas-y. Mais non! Mais fais pas demi-tour! Oh! Ça craint! Ouais, allez. Oh, là, ça le fait, là. Là, oui. Oh yeah, enfin, oh yeah. Oh! Je suis tout transpirant. Pff, mais il m'énerve avec ces obstacles de merde, là. Obstacles, là, hop, bim. Hop, va te faire cool. Au revoir! Hi-ha! Alors, donc, normalement, là, il y aura Iria. Qui nous attendra comme ça, là. Voilà. Donc, Iria. Elle a parlé dans le vide, là. Elle a fait... Ah, elle parlait à lui. Ouais, ça doit être le chef du village. On dirait un sanglier. Ouais, c'est sûrement son père. Ouais, blablabla, blablou, blablou. Olin, déjà revenu. Bien, bien, c'est très bien. Ah oui, donc là, je devrais amener le truc à la famille royale avec Epona. Oui, bon, pire, là, je m'en fous. Ouais, blabla. Ah oui, c'est marrant, elle va s'énerver. Que... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est blessée. Au pire, c'est le cheval d'Epona. Le cheval d'Epona. Le cheval de Link. Link, tu as encore fait l'imbécile avec Epona. Bah non, c'est du chèvre, elles sont connes, elles m'agressent. Allez, rien. Papa. Oui, bon, elle va se casser, c'est ça, ouais, encore une fois, avec Epona. Oh, ma pauvre. Ouais, bah, la source, ouais, bah, non. De toute façon, je sais où que c'est, donc... Au pire, je m'en fous. Aïe, oups, désolé. Au pire, je sais où que c'est, donc... Eh, mais attends, Iria. Comment veux-tu qu'il aille porter le cadeau d'Hyrule sans Epona? Mais conne. Mais de toute façon, je vais aller rechercher Epona, ça va pas être dur. Hop, allez. Ok, alors. Ouais, c'est derrière chez moi de toute façon. Le mec il a plus de problème. Là j'ai enlevé le nid d'abeille. Ok, cool. Link, tu veux voir Iria. Nanana. Oui, mais je m'en fous au pire. Oh, attends, Link. C'était super hier. Oh oui, la démonstration de combat d'épée. Ok, cool. Alors, quoi d'autre? Quoi? Me donner... Tu veux que je te donne l'épée? Bah, allez, tiens. De toute façon, je crois que je suis obligé. Je crois que je suis obligé pour passer. Ils sont bêtes. Ah là 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 là, je te remercie beaucoup. Ouais, là, blablabla, blibli, blabla. Oui, bon, casse-toi. Bon, bah, je vais arrêter la vidéo parce que ça fait déjà longtemps qu'elle tourne. Bon.